One Love, je suis sur ma trottinette. On est le 4 avril. Voilà ma trottinette. En face, le centre-ville de Nîmes. Donc je m'apprête à... Voilà, je vais traverser le centre-ville de Nîmes. Essayer de filmer un maximum de ce que je vois. Ici, voilà. Parce que la trottinette elle fait du bouchon et le c'est dehors, mais normalement ça devrait le faire. Allez, j'aurais dû prendre des petits bidules pour accrocher là, mais pour accrocher la petite caméra à la trottinette. Bonjour, là il y a le nombre de gens limité, quand il m'a fait. Proche des gens comme ça, pour tout le monde. Du fantôme. Voilà comment c'est le centre-ville. Au cœur du centre-ville, on va dire. Ouais, c'est mort. Plus de manet, plus d'animation. Au nombre de gens, en fait, on dirait que c'est un dimanche. Là, on va passer devant le tribunal. Donc, le tribunal, c'est là où je me suis habité tout seul en tant que trouble souverain pour une histoire de gilets jaunes. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube. Là, vous voyez, c'est comme un dimanche. Et il n'y a rien. Pas une ambulance, pas un pompier, pas un flic, là c'est le tribunal, hein. Il est fermé bien sûr, les rênes dans le cœur de Nîmes quoi. L'entrée du tribunal c'est par là, vous voyez. Pas une ambulance, pas rien. Comme s'il n'y avait rien, que c'était tous les jours dimanche. Il y avait des gens avec des masques, des arènes. On fait une petite balade touristique comme ça. Voilà un hôtel restaurant qui est fermé. Ah, parce que tout est fermé quoi. Ouais, deux voitures. C'est bien pour la circulation. C'est sûrement pollué. Pour les oiseaux chantés autour. Ça, c'est le musée de la Romanité. Ce bâtiment tout moche. Hein. Vraiment, vraiment moche. Enfin, en fait, il n'y a que des trucs qui rapportent des multinationales qui fonctionnent. Les supermarchés. Les transports en commun fonctionnent. La Romanité fermée. Voilà. On voit dans le reflet. Vous voyez, les transports publics fonctionnent. Sauf que c'est quasi vide, quoi. Ça, c'est un bus. C'est un bus déguisé en tramway. C'est, je crois, la chambre des métiers, la chambre des commerces, des gens.
que la République française, un numéro de sirène, était inscrit à la chambre de commerce et de l'industrie. Et ça, c'est étrange. Numéro de sirène 100-000-017. Voilà, là on est sorti du cœur du centre-ville hein, désormais. Ouais, les tabacs ils sont ouverts. Et sinon voilà quoi, c'est dimanche les jours quoi. Là c'est pas le rush vers les hôpitaux, ni vers les supermarché comme les médias veulent le faire croire. Voilà, ça c'est un Carouf City. Voilà, t'as beau voir. Donc on va pas une fermée, mais bon ça, on ne mange pas la nuit. Voilà quoi. Si vous regardez bien, les badauds. Les voitures, c'est la vie normale, comme un dimanche. La vie normale comme un dimanche. Les épiceries sont ouvertes. Et moi j'arrive bientôt à destination. Donc vous laisser et je vous dis au revoir. J'essaierai de faire une petite vidéo au retour pour montrer d'autres quartiers de Nîmes, pour montrer comment c'est en période de confinement. Et là ben voilà, on va terminer sur ces images de la ville de Nîmes en confinement.